Jésus s'intéresse à vous. J'ai dit une fois à mes amis intercesseurs, dans la délivrance, ce n'est pas d'abord la manifestation de la puissance, c'est la manifestation de l'amour pour celui qui souffre. Si vous ressentez sa douleur, 90% du travail est fait. Jésus ressent votre douleur. Il connaît, il les a pesés, il les a mesurés. Il sait comment on vous a piétiné. Il sait comment on vous a écrasé. Il sait comment on vous a méprisé. Il sait là où vous habitez. Il sait que votre demeure, c'est maintenant les sépulcres. Il sait que 18 ans durant, vous avez le dos courbé. Mais vous venez quand même à l'église. Jésus sait.